SolidWorks Simulation permet aux utilisateurs de SolidWorks de pouvoir réaliser des études structurelles sur des pièces ou des assemblages. Après avoir défini les caractéristiques du matériau, les déplacements imposés ou les chargements externes, vous allez pouvoir directement en déduire tout un tas de résultats, que ce soit sous la forme de contraintes ou de déplacements. Sur l'exemple de cette pièce-ci, on voit que la contrainte est faible par rapport à la limite d'élasticité du matériau, ce qui nous génère effectivement un coefficient de sécurité de l'ordre de 3 sur cette pièce-ci. L'idéal en simulation est de pouvoir en fait optimiser finalement cette conception. Pour cela, ce bord simulation offre la possibilité de réaliser des études de conception permettant d'optimiser cette géométrie. Nous allons pouvoir nous appuyer dans un premier temps sur un ensemble de paramètres à faire évoluer sur notre modèle, qui peuvent être des cotes, des dimensions de l'ensemble de notre modèle. Une fois ces paramètres déterminés, l'objectif étant ici de pouvoir les faire varier sur une plage de valeurs. Vous allez simplement pouvoir déterminer une valeur mini, une valeur maxi pour encadrer l'évolution de votre pièce sur l'ensemble de ces paramètres. Dans un deuxième temps, vous allez pouvoir déterminer quelles sont là ou les limites imposées sur ce modèle. Dans notre cas, ce sera éventuellement la contrainte maxi que l peut supporter finalement cet équerre. On voit ici, on va pouvoir tout simplement préciser que la contrainte doit être inférieure à une limite de 300 MPa. Dernière partie, la possibilité de déterminer un objectif. Ici, l'objectif de mon calcul, c'est de minimiser la masse de ma pièce, de pouvoir l'alléger au maximum. Et pour cela, je vais pouvoir le déterminer en tant qu'objectif. Puis, l'intérêt de cette étude d'optimisation est de pouvoir finalement exécuter toute une série de calculs qui manuellement nous prendraient énormément de temps et qui là peuvent être réalisés de façon transparente pour l'utilisateur. SolidWorks va nous permettre de déterminer automatiquement une configuration optimale. En ayant également la possibilité de retrouver les différentes itérations et de voir effectivement que certaines de ces itérations sont directement hors plage et sont directement représentées en rouge dans notre graphique. Nous allons pouvoir notamment analyser le gain de masse entre la version initiale et la version finale. On voit ici un gain de l'ordre de 30%. Cependant, l'optimisation ne se limite pas à des études statiques. Comme on peut le voir sur cet exemple, sur une étude thermique, nous allons pouvoir également définir un cas de charge, permettre de récupérer les températures, le gradient de température sur cette pièce, et ensuite pouvoir chercher à optimiser cette pièce-ci en fonction de la forme des ailettes, en fonction du nombre d'ailettes que l'on pourrait avoir sur notre conception. Pour cela, tout simplement, nous allons reproduire la même méthodologie. En précisant dans un premier temps différentes variables, ça peut être la valeur du rayon, la hauteur, la largeur de mon ailette, le nombre d'ailettes qui sont disponibles, et tous ces paramètres vont pouvoir être pilotés dans un intervalle précisé. Encore une fois, je vais pouvoir ensuite préciser une limite imposée qui va être une température maxi. Quel est l'objectif qui est encore une fois de réduire la masse de mon modèle? A ce moment-là, ce simulation va encore pouvoir itérer un certain nombre de fois. Jusqu'à me trouver la meilleure solution par rapport aux objectifs de mon calcul. On voit très bien dans ce cas précis que SolidWorks Simulation peut me faire gagner énormément de temps, puisqu'aujourd'hui j'ai la possibilité de réaliser une quarantaine d'itérations sans l'intervention de l'utilisateur. On voit très bien que l'intérêt de la partie optimisation qui nous permet de gagner environ 30% de masse sur ce modèle.